Alors, rebonjour, mesdemoiselles, messieurs. Alors ici, nous sommes dans la portion 3C, portion qui porte sur un texte que vous avez, le texte PDF 14, qui s'intitule « 7 conseils pour réussir dans le e-commerce ». Alors, 7 conseils pour réussir sa boutique en ligne. Et ça, c'est vraiment important parce que de plus en plus de commerces mode vont offrir la possibilité à leur clientèle d'acheter en ligne. Alors, le texte que je vous propose, c'est un sondage qui a été fait auprès d'entreprises qui ont leur boutique en ligne et qui ont un succès en ligne. Et de ces interviews-là, on a fait ressortir sept facteurs de réussite pour une boutique en ligne. Puis c'est ce qu'on parle dans ce texte. C'est ce que je veux que vous compreniez bien, ces sept facteurs qui font qu'une boutique en ligne va avoir une réussite. Alors, si ça a marché pour eux, si ça fonctionne pour eux, ça peut fonctionner pour tout le monde. C'est des grands conseils de base. Et aussi, je crois que souvent, une entreprise va sous-estimer le travail que ça prend pour avoir une boutique en ligne. Parce que, encore une fois, je le répète, mais on va le répéter souvent, on ne met pas une boutique en ligne sans s'en occuper. Ça ne donne rien. Les clients ne la fréquentent pas. La fréquentation est très minime. Les chances que nos clients potentiels nous croisent sont minimes aussi, considérant le nombre de milliards de sites qu'il y a sur Internet. Donc, ça demande du travail, ça demande des façons de faire, des procédés. Et ce sont ces procédés, encore une fois, là, ces facteurs qu'on va voir ensemble pour que ça fonctionne bien. Alors, le premier conseil, la première chose qu'on va recommander à l'entreprise qui veut avoir une boutique en ligne, c'est de vraiment être différent des autres. Donc, comment on peut être différent et quelles sont les possibilités qu'on peut avoir de se différencier? Sur quoi on peut se différencier? D'abord, la première chose évidente, c'est de vendre un produit ou des produits originaux. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on entend par ça? Ça ne veut pas nécessairement dire vendre des choses que personne d'autre ont quand on parle d'originalité. C'est l'originalité en relation avec le type de commerce qu'on a. Par exemple, souvent, on s'en est parlé à quelques occasions, des entreprises qui ont un commerce sur Internet, une boutique électronique, vont proposer à leur clientèle cible un produit différent sur Internet que le produit en boutique. Parce qu'on considère que ce peut être deux clientèles différentes. La clientèle, le e-customer, qui est le client qui achète de façon électronique par Internet, et le client qui lui vient en boutique, le ground customer. Donc, essayer de se différencier sur le produit, c'est un facteur qu'on peut utiliser pour être différent. On peut aussi apporter, dans le cadre de notre site Internet, un service particulier qui serait spécifique aux utilisateurs de la boutique en ligne. Alors, qu'est-ce que ça pourrait être? Ça pourrait être une carte fidélité particulière pour le client Internet. Donc, d'essayer de trouver des choses qui font que, par exemple, quand on parle de services particuliers, tout ce qui touche la sécurisation du client, tout ce qui touche le fait que le client va trouver l'expérience intéressante, service qu'on n'a peut-être pas le temps de donner en boutique, mais qu'on peut donner par Internet. Par exemple, ce qu'on pourrait faire, disons, supposons qu'on vend des bas. On pourrait, par exemple, dire, ben, nous, en boutique, on a une dizaine de couleurs de bas. Sauf qu'au niveau du service Internet, on va offrir 30 couleurs différentes, peut-être des fois sur commande spéciale. Donc, on va rehausser le service apporté à la clientèle. Ça peut être en disponibilité produit, comme ça peut être en points, encore une fois, qu'un client peut se cumuler.
Et donc, c'est ce qu'on entend par avoir un service beaucoup plus particulier. Ça pourrait être aussi, par exemple, avoir des produits faits sur mesure par Internet, avec des particularités qu'on ne retrouverait pas en boutique parce qu'on n'a pas le temps de le faire. La personnalisation d'un produit est beaucoup plus facile par Internet qu'en boutique. Par exemple, je me souviens d'avoir vu chez Camellia Sinensis, une entreprise qui vend des thés par Internet, la possibilité par le site Internet de recevoir son thé dans une boîte décorée par un designer qu'on peut conserver après pour mettre d'autres thés. Ces boîtes-là ne sont pas disponibles en magasin, elles ne sont disponibles que sur Internet. Donc, on imprime des boîtes de thé sur mesure. Ça pourrait être même des boîtes de thé avec notre nom et tout ça personnalisé. C'est ce qu'on entend par trouver des façons d'être différent. L'autre façon de se différencier aussi, c'est d'avoir des conseils qui sont plus pointus sur Internet. Sur Internet, le consommateur cherche beaucoup d'informations avant d'acheter. Donc, ce qui serait intéressant au niveau de la différenciation d'un commerce traditionnel dans le cadre d'un commerce électronique, ce serait par exemple d'avoir plus d'informations dans la description d'un produit au niveau des conseils. On le sait en boutique, par exemple, les étiquettes sont limitées au niveau de l'espace. Alors que sur Internet, lorsqu'on montre un produit, on pourrait très bien donner des conseils plus pointus sur l'entretien, le lavage, etc., qu'on ne peut pas mettre sur une étiquette traditionnelle. Donc ça pourrait devenir intéressant là, au niveau du conseil, puis le client va trouver ça intéressant. Maintenant, on peut aussi se différencier sur le prix. C'est le dernier élément différenciateur parce que on sait que sur Internet, le coût de gestion d'un site est beaucoup moindre que le coût de gestion d'une boutique au niveau de nos dépenses. Donc, le fait d'avoir des coûts moindres peut engendrer la possibilité pour un marchand, tout en offrant des produits différents, parce qu'on ne veut pas cannibaliser notre boutique, mais si on offre des produits différents, et à un prix plus avantageux parce que par Internet, les coûts sont moindres. Le client peut trouver ça intéressant aussi. Donc, à ce moment-là, on peut concurrencer beaucoup plus facilement avec certains produits que d'autres de nos concurrents n'ont qu'en boutique. À ce moment-là, sur Internet, on va s'arranger pour se différencier au niveau du prix puis être vraiment, vraiment compétitif et concurrentiel. Je reprends cet exemple d'une crème que j'utilise pour les mains qui se vendait autrefois chez Labbé et qui maintenant n'est plus disponible chez Labbé. Labbé s'est concentré sur seulement quelques produits. Les fois où je l'ai acheté chez Labbé, du temps où il l'avait, la crème, je la payais 24,99 $. Alors que maintenant, en l'achetant directement via Internet, cette crème-là qui n'est plus disponible chez Labbé, je la paye 19,99 $. Je sauve 5 $ sur un pot de crème de 90 grammes, ce qui pour moi est vraiment avantageux et intéressant. Donc, essayer d'avoir une niche au niveau du prix pour toucher plus facilement une clientèle, ça peut être intéressant. Alors ça, c'était pour notre premier conseil là, pour réussir dans le commerce électronique. Le deuxième conseil, c'est de créer vraiment une relation avec nos clients. Comment on peut faire ça? Donc, il faut trouver des plateformes qui vont nous permettre d'échanger une relation. Parce que vendre, c'est créer une relation entre deux personnes. Hein, vous entendez bien là-dessus, autant en personne que... Et c'est ça qu'il faut essayer de recréer par Internet. Donc, rendre notre boutique électronique vivante, rendre notre boutique électronique plus personnelle, ça peut être fait avec d'autres plateformes Internet reliées à notre site transactionnel. Par exemple, une entreprise pourrait avoir d'intégrer dans sa boutique transactionnelle un hyperlien vers un blog pour montrer de l'expertise, pour donner des conseils, pour discuter avec notre client, pour permettre à notre client de nous répondre, de nous parler, de nous demander des questions,
d'être plus personnel. Donc, c'est probablement un des éléments, un des outils les plus intéressants, le blog. En fait, il y en a deux. Il y a le blog et il y a un Facebook j'aime. Hein, moi, j'appelle ça un Facebook fan, qui pourrait être intéressant aussi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui le font. Alors, mais par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est que autant sur le blog que sur le Facebook, les discussions qu'il y a là, c'est des discussions d'affaires. Hein? Ce n'est pas des discussions de vie privée. Je donnais ce conseil à mon ex-étudiante qui a un site transactionnel où je lui disais, ben, il faut que tu utilises ton blog pour donner de l'expertise, pour donner des conseils, puis il faut que tu t'évites du commentaire personnel. C'est un point de vue d'affaires qu'on veut, c'est un point de vue de marketing. Okay? Donc ça, c'est deux plateformes intéressantes pour créer une relation avec nos clients. Une page fan Facebook et un blog. Utilisez-le avec SEM, évidemment. Sur un Facebook fan, évidemment, on peut s'en servir pour montrer des catalogues de produits additionnels. On peut s'en servir pour montrer des planches tendances, pour donner de l'information sur nos produits. On peut aussi se servir d'un Facebook fan pour parler de la vie de l'entreprise. Nos clients fidèles vont être intéressés à ça. Hein? On ouvre une nouvelle boutique à Repentigny bientôt. Donc, de donner de l'information sur la vie de l'entreprise, c'est quelque chose que le client peut aimer avoir comme information, qu'il tient au courant et qui fait qu'il se sent plus près de l'entreprise là, lorsque ces informations lui sont communiquées via Facebook. Alors ça, c'est pour le deuxième conseil, d'essayer de créer une relation avec nos clients. Le troisième conseil... qu'il ne faut pas oublier, puis je vous cite une phrase, il n'existe pas de magie Internet. Le troisième conseil, c'est que si on a une boutique en ligne reliée surtout avec un blog et un Facebook, il faut s'investir là-dedans. Il faut semer pour récolter. Il faut s'arranger pour mettre en place une infrastructure dans l'entreprise qui fasse que il y a quelqu'un qui va aller animer notre blog et notre Facebook. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de la mise à jour de nos produits sur notre site transactionnel. Il y a quelqu'un qui va s'occuper de mettre nos promotions sur notre site transactionnel ou sur notre Facebook. Et ça, ça demande du temps. Et c'est pour ça qu'on dit que le troisième conseil pour réussir dans le e-commerce, c'est d'accepter de s'investir, de prendre du temps pour le faire. Combien de temps? Tout dépendant de la grosseur de l'entreprise, du nombre de produits qu'on a sur notre site transactionnel, du nombre de plateformes qu'on utilise. Il faut être conscient que si on s'embarque sur du commerce électronique, sur du e-commerce, il va falloir qu'on ait quelqu'un dans l'entreprise qui s'en occupe. Okay? Et ça, c'est important de réaliser ça. Travailler l'habillage graphique, modifier... une petite page sur notre site, modifier une couleur, mettre une promotion, mettre des nouveaux produits. Et c'est pour ça qu'on va conseiller de ne jamais, dans le cadre de commerce électronique, de ne jamais être dépendant d'un ami qui aurait fait notre site pour nous ou d'un consultant qu'on sera obligé de payer 150 $ de l'heure pour faire des mises à jour. Il faut être autonome, il faut apprendre à le faire, il faut être capable de le faire à l'interne. Il y a toujours des employés qui vont être bons pour le faire. Faire un petit site transactionnel, c'est très facile aujourd'hui. Si vous allez sur le site de notre classe, là, je vous ai mis une page complète sur un petit mini-cours pour faire un site par vous-même. Donc, ne pas être dépendant des autres et investir un peu de temps pour améliorer notre rentabilité et faire en sorte que notre boutique en ligne soit dynamique et qu'elle soit agréable pour notre client, pour qu'il ait le goût d'y revenir. Le quatrième conseil, c'est celui qui est peut-être le plus difficile à gérer, c'est d'être patient et persévérant. Combien de temps ça peut prendre avant qu'un site soit très rentable, soit visité beaucoup,
Lancer une boutique en ligne, ça prend du temps, ça prend une période de temps de rodage pour que nos clients nous connaissent, pour nous faire connaître, pour qu'on soit capable de générer du trafic sur nos plateformes. Il y a beaucoup de ça qui peut être fait par ce qu'on appelle le référencement naturel. C'est un sujet qu'on va traiter dans le cadre du cours. Donc, d'être capable de faire en sorte qu'on génère du trafic puis qu'on est bien référencé dans les moteurs de recherche. Quand on va dans Google, on peut nous trouver facilement, là, au moins dans les deux premières pages de recherche. Donc, il faut être patient, il faut être persévérant, il faut travailler méthodiquement. Ça fait partie du référencement naturel qu'on verra dans la leçon 6 ou 7, je crois, là. Et vraiment, il faut penser qu'on ne fera pas ça du jour au lendemain. On ne met pas des plateformes web et un site transactionnel et on n'espère pas, dans la première semaine, avoir une augmentation de vente de 50 % ou d'avoir 150, 200 transactions dans une période très, très rapprochée. Donc, ça prend une certaine période de temps. Je vous dirais facilement entre 6 mois et 1 an avant d'avoir quelque chose qui devient très satisfaisant. Il faut pas oublier que quand on se met sur Internet, surtout quand c'est virtuel, il faut gagner la confiance de notre e-client, e-customer. Il faut avoir une notoriété. Ça, c'est important à établir avant d'avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients sur nos plateformes. Un cinquième conseil aussi, quand on parle de commerce électronique, c'est d'avoir plusieurs modes de paiement, s'assurer que à peu près tous les modes de paiement peuvent être acceptés sur notre site Internet, carte de crédit, PayPal. PayPal est un incontournable parce que de plus en plus de personnes utilisent ça. Évidemment, les paiements par toutes les cartes de crédit, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Sachez par exemple que PayPal, c'est une plateforme gratuite pour les commerçants. Gratuite, entendons-nous. On peut l'utiliser, sauf que le PayPal va prendre un pourcentage de vos paiements faits par Internet, qui va varier entre 1,2% et ça peut aller jusqu'à 3%, dépendant des montants que vous transigez. Soyez conscient de ça, il y a quand même un petit coût à l'usage de PayPal, tout comme il y a un coût à l'usage d'une carte de crédit, là, si vous permettez des paiements par carte de crédit. Est-ce qu'on peut permettre des paiements par chèque, par paiement alternatif de débit bancaire? Oui, il y a des choses qui peuvent se faire. Par virement aussi, on peut faire par virement Internet. C'est des choses qui peuvent se faire. Donc, c'est d'analyser toutes les possibilités là, pour rendre la tâche facile à notre client lorsqu'il vient transiger sur notre site. Sixième petit conseil qu'on vous propose, c'est de rassurer vos clients. La confiance, c'est la clé d'une réussite d'un commerce électronique. Donc, il faut essayer de dévirtualiser notre site Internet. Faire en sorte que notre site est concret, proche de la réalité, proche du client au quotidien, de sorte que le sentiment de confiance va être très fort. Okay? Puis dans le texte, on vous donne quelques petits trucs pour faire ça. Le client veut être rassuré, il veut être rassuré sur la livraison de sa commande. Il veut s'assurer que le produit qu'on va lui livrer est conforme à ce qu'il a commandé. Donc ça, c'est vraiment important. Et à la moindre erreur, sachez que le client va avoir beaucoup de difficultés à revenir sur votre site transactionnel. Par exemple, le client s'achète un chandail ou une blouse de grandeur médium. Par erreur, vous lui envoyez un small. Les fois d'après, le client va avoir de la difficulté là, à bien vouloir racheter chez vous. Donc, il ne faut pas se tromper, il faut être parfait. Et il faut essayer de rendre notre site le plus friendly user et le plus près du client qu'on puisse le faire. Évidemment, si on a des marques très connues, ça peut nous aider. Donc ça, c'est une chose qui va peut-être augmenter, qui peut peut-être augmenter la confiance. Les mettre en avant, mettre en évidence nos partenaires que sont nos marques.
Ça peut être une chose qui va augmenter la confiance. Maintenant, ce qu'il faut aussi faire, c'est, on dit montrer patte blanche, c'est-à-dire de s'assurer que sur notre site, autant transactionnel que sur notre site fixe, notre site de présentation, l'internaute trouve toute l'information et l'identification de l'entreprise pour la contacter s'il y a un problème. Alors, adresse, téléphone, à la limite, si on peut mettre le nom d'une personne contact à l'interne qui peut nous répondre, un courriel pour pouvoir rejoindre quelqu'un. Et encore une fois, si on a des communications par courriel avec un client qui a fait une transaction, il faut s'assurer de répondre en dedans d'une demi-journée. Okay? C'est clair, c'est une demi-journée maintenant, le client s'attend à avoir une réponse. Et ça, c'est vraiment important de respecter ça. Donc, être très, très limpide sur les contacts qu'on peut avoir avec nous. Moi, personnellement, si j'arrive sur un site où il n'y a pas ça, j'achète pas du tout. Alors, je ne vais surtout pas acheter sur un site qui demeure anonyme, où je ne sais pas qui est l'entreprise, à quel endroit elle est et à qui je peux parler si j'ai un problème. Quand on parle aussi de marque, évidemment qu'on veut peut-être essayer, dans le cadre d'un commerce de détail en ligne, de faire la promotion de marque de commerce maison, de marque de commerce privée. Ça aussi, c'est important de mettre ça de l'avant. Donc, de faire comprendre aux clients qu'on a aussi des marques privées autant que des marques nationales. Et c'est quelque chose de très intéressant au niveau du commerce en ligne, de pouvoir offrir aux clients des marques privées. Maintenant, le septième conseil qu'on donne pour le commerçant électronique, c'est de ne pas rester figé dans le temps et de constamment améliorer en permanence nos sites, que ce soit notre plateforme Facebook Fan, que ce soit un blog ou que ce soit une boutique en ligne. Lancer une boutique en ligne, on pourrait dire que c'est vraiment pas un acte ponctuel, c'est plutôt un processus permanent qu'on doit constamment améliorer, changer. Que ce soit au niveau des produits, au niveau des prix, au niveau des promotions en ligne, c'est vraiment là où le client va sentir qu'on est actif, qu'on est là présent. C'est le même principe que la boutique sur rue qui doit changer ses vitrines puis ses étalages de façon régulière pour que le client sente que la boutique vit. La boutique n'est pas stagnante. Vous le savez, vous travaillez en boutique, vous en faites des changements de tablettes, des changements d'aménagement, des changements de vitrines avec les nouveaux assortiments, les nouveaux produits, vous remaniez les choses. Donc ça, c'est vraiment important de faire en sorte que le client sente que c'est la boutique qui bouge. Et c'est le même principe avec une boutique en ligne. Donc, puis maintenant, si on suit ces sept conseils-là, comment on peut faire pour mesurer notre succès? Évidemment que les indices de succès peuvent se retrouver dans plusieurs choses. D'abord, toutes les plateformes qu'on utilisera, que ce soit sur un serveur Internet ou sur un blog ou Facebook, peuvent vous donner le nombre de visiteurs. Alors, par exemple, moi, quand je mets un commentaire sur le Facebook de classe, je sais exactement le nombre de personnes qui vont voir, qui voient, qui regardent le commentaire que je mets. C'est marqué sur Facebook Fan. C'est le même principe sur le site de classe. À tous les jours, je peux aller voir combien il y a eu de personnes qui sont venues sur le site de classe, quelle page la personne a visité, à combien de fois et de quel endroit la personne provient. Donc, l'indice de succès de notre boutique en ligne, ça peut être le nombre de visiteurs. Ensuite, il y a le taux de conversion, c'est-à-dire l'augmentation de nos ventes par Internet. C'est encore là un indice très probant du fait qu'on travaille bien puis qu'on réussit bien. Normalement,
dans les premiers mois, dans la première année, ces ventes-là devraient toujours aller en augmentant si on s'en occupe de notre plateforme, si on s'occupe de notre site. Ensuite, on peut aller vérifier le panier moyen, c'est-à-dire tout comme on fait en boutique, combien d'articles un client va acheter par transaction, la moyenne de commande qui peut être. Puis est-ce qu'on peut faire des ventes croisées par Internet avec une boutique en ligne? Oui. Il y a certains serveurs où on met nos boutiques en ligne qui nous permettent, lorsqu'on offre un produit à un certain prix, d'avoir une petite banque de photos en dessous du produit qui propose des produits alternatifs qu'on aura configurés en relation avec le produit que le client regarde. Donc, la vente croisée, contrairement à ce qu'on croit, elle est très disponible sur Internet et la majorité des serveurs Internet aujourd'hui offrent la possibilité de faire des ventes croisées. Maintenant, il y a aussi nos marges de bénéfices qui peuvent être intéressantes sur Internet dans le sens où nos coûts sont très restreints. Donc, c'est une façon de voir un petit peu si notre boutique en ligne fonctionne bien. Évidemment qu'en pratique, vérifier les statistiques sur les visiteurs, sur les ventes, c'est important. Il faut se garder du temps aussi pour faire de la veille informatique, comme on a vu dans la portion 3A du devoir, et de bien être au fait et analyser et comprendre les fréquentations qu'on a sur nos sites, puis de dynamiser ça complètement et de façon très performante. Alors, bon, ce sont les 7 grands conseils. Maintenant, ce que je vous recommande, c'est d'aller consulter le texte et de, évidemment, répondre aux questions que je vous ai mises sur le site de classe. Là, il y en a 5 dans la portion 3C, comme dans les deux autres portions, entre autres. Et de vous laisser aller à répondre de façon à ce que je comprenne que vous comprenez et que vous apprenez cette notion qu'est le commerce électronique pour un commerce mode. Alors, merci de votre attention et bon travail!